Vas-y, vas-y, envoie l'eau, envoie tout. Oh putain. Alors pas de tort. On prend le virage, on prend l'épingle. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, nouveau décor, gros tag de malade, grosse voiture de mafieux. On est avec une S6 C7. Donc on va vous présenter la propriétaire, la mafieuse et sa voiture. C'est parti. Hello. Salut la gangsta. Comment tu vas, Nord? Ça va et toi? Ça va nickel. T'as fait une bonne route avec ce genre de véhicule? Ouais, plutôt bien. T'as fait un bon petit go-fast sur la route? Ah, on, toujours. On peut décharger là ou pas? Toujours, il n'y a pas de problème, le coffre est plein. Donc aujourd'hui, ça fait plaisir parce que tu me ramènes vraiment une voiture de mafieux, une voiture que j'aime, les grosses berlines comme ça, c'est vraiment ma cam. Le 4 litres V8 TFSI, c'est du lourd. Donc on va t'écouter pour la présentation de ton véhicule, savoir son année, qu'est-ce qui a été fait, etc. Alors du coup, c'est une S6 C7 de 2013. Donc c'est le V8 de chez Audi qui d'origine sort 420 chevaux. D'accord. Bon, vous le verrez au bruit tout à l'heure, mais elle n'est pas tout à fait d'origine. Ça, on y a entendu quand t'es arrivé. Elle a actuellement, elle a 550 chevaux et quasiment 900 Nm de couple. 900 Nm de couple? Oh ouais, 890. Alors là, les gars, elle a dépassé le mazou sur mon A8. Hein. Moi qui pensais avoir le gros couple de malade, 900 Nm. Un petit camion, quoi. Après, je savais, sur les biturbos, surtout en essence aussi, on peut vite grimper à des chiffres astronomiques au niveau du couple. Mais putain, là, elle est en full 98 aujourd'hui. Au niveau de la ligne? Ah ouais. Ouais. Ah non, je te parle. Ouais. Elle a une ligne full tube, ouais, ouais. Mais en full 98, tu restes en essence sans plomb 98. C'est ça. C'est ce qu'il faut. Regardez, les gars. Magnifique. Alors, ça fait 2 ans que tu l'as. Ouais. C'est une 2013. Ouais. Version C7. C'est ça. L'une des plus jolies pour moi. Magnifique. Paquet R6 avant, arrière. C'est ce que j'allais dire. Alors, les gars, regardez l'avant. C'est une R6 en gros berline. Même si ça n'existe pas sur les C7. Non, ça n'existe pas. Elles existent que sur les C6. Et il me semble sur les premières R6, si je dis pas de bêtises. Donc regardez le plan de malade, les gars, avec la S8. Donc toi, quand tu l'as acheté, elle était quasiment comme elle est maintenant. C'est ça. L'ancien propriétaire avait fait de jolies accessorisations, on va dire. Donc au niveau de la face avant. Donc là, déjà, de la face avant, on pourrait croire que c'est une RS6 en break. C'est ça. Regardez, les gars. C'est monstrueux. Avec les feux LED. Les bandelettes, c'est très beau. Ouais. Donc on en profite, là c'est ton Instagram. Si vous voulez vous abonner, les gars, donnez de la force. Bambi. Alors ce qui est bien, du coup, t'es bien noir partout et t'as les petits détails en jaune. C'est ça. Regardez. Les étriers aussi. Regardez, les étriers en jaune, ils sont énormes. Centre de roue, 20 pouces. Les jantes sont très belles. Hein. Full black comme ça. T'as mis des bons pneus. Donc on retrouve l'option pneumatique, les gars. Qui permet de régler la hauteur, là t'es en dynamique. Oui. Ça lui donne vachement un look agressif. La petite lame Maxton. Le logo V8T. Kit complet Maxton. Vraiment énervé, hein. Avec l'auto ouvrant. Franchement, c'est une belle caisse. Elle est full option. C'est ta seule voiture ou t'as un daily à côté? Non, j'ai un daily, j'ai une A1 à côté. Une petite A1 Mazou ou essence? Mazou. Obligé. Ah ouais. T'as la quoi, la 90 chevaux? Ouais. Avec un petit stage en dessus, obligatoire. Ah bah obligé. T'as vu, ça marche bien, c'est tout léger en plus, ouais, comme bagnole. Une tonne de 5 cartes. Bon, ça c'est un peu plus bateau à 2 tonnes, mais... Ah, mais au moins tu peux tout faire, tu peux voyager, ça marche. C'est ça. C'est une voiture qui fait quasiment une tonne 9, c'est ça, hein. 1980. Voilà, tu vois. Un peu plus lourde que la mienne, alors. Après, moi, faut savoir, les gars, hein, A8D3, c'est de l'alu, hein. Alors toi, je sais pas si elles ont pas qu'alu. Nous, c'était surtout pour alléger les A8, mais... Avec ça, les gars, voilà, ça marche. 550 chevaux, c'est énorme. Il y a 4 sorties à l'arrière. T'as le paquet R6. Regardez, paquet R6, les gars. Comme sur une R6. Franchement, c'est un monstre. Avec le petit logo noir, les plaques noires. C'est pas grave que t'as pas caché la plaque arrière. On s'en fiche. On n'a rien à se reprocher, hein. Le petit logo S6. T'as la caméra de recul aussi? Oui. Avant, arrière, 360. Ah, c'est cool, hein. Vraiment plein d'options. Le petit aileron, regardez. Ouais. Non, elle est vraiment belle, hein. À l'intérieur, un peu de plaque carbone. Ouais, bah alors là, je voudrais bien que tu nous ouvres le moteur. Comme ça, on va regarder un peu le moteur
comment il est beau, et puis après je filmerai l'intérieur. Alors les gars, dites-nous tout de suite en commentaire si vous trouvez pas la config magnifique. Moi je la trouve somptueuse, la voiture, elle est énervée. Là on est dans un contexte en plus. Jusqu'au détail hein, les gars, le moteur, regardez bien ça. Regardez comment c'est beau les gars, ce magnifique V8. Ah, je le connais très bien ce moteur, c'est l'un de mes moteurs de rêve, hein, mais sur la S8 du coup. Parce que je veux rester dans le délire, le transporteur. Le V8 TFSI les gars, biturbo 4 litres, de 420 chevaux d'origine, et on arrive à 550. En stage 1, soft. Soft. Et c'est des moteurs, tu peux avoisiner 900 chevaux tranquille. Hein, il y a certainement une prépa APR qui est prévue avec mon, ouais, avec mon préparateur. Donc. Non, en tout cas, ouais, c'est du lourd. Une dédicace à ZR Car. Dédicace à ZR Car, je sais pas. Qui fait une prépa de malade, mais qui devait être avec nous aujourd'hui, mais qui a pas pu. Ah, bon. Très très belle. Ouais. Eh ben écoute, je te laisse refermer, et puis je vais filmer l'intérieur, qui doit être aussi beau que l'extérieur. Hein. Alors c'est pas un blanc, c'est un gris un peu clair. C'est du blanc. C'est du blanc. Oui, c'est du blanc alors. Oui, oui. Vas-y. Intérieur blanc les gars, ouais. Magnifique. Enfin, un bel intérieur. Alors regardez, l'Alcantara ici, le cuir blanc là. Sur les sièges pareil. Pas de carbone. Hein. Ouais. Là on retrouve les logos S6. Regardez, les sièges, ils sont magnifiques. Des beaux sièges baquets. S6. Ça sent bon l'intérieur, t'en prends soin. Il faut. Regardez les gars, je vous disais l'option pneumatique qui permet de régler la dureté des suspensions. Ça règle aussi, je crois, la dureté du volant, etc. Regardez ce magnifique compteur. Le beau volant. Un beau ciel de toit. Tôt ouvrant. S'il y a une option qu'elle n'a pas, c'est le volant méplat. Ouais, j'allais te le dire, tu penses mettre un petit volant méplat par la suite? Non, parce que ça m'enlèverait le volant chauffant. Ah mince. Donc non. Ah bah tu mets des gants quand tu conduis, une vraie transportrice. Non, hein. Non. Je me permets. Hein. Vas-y, fais. Regardez, clim auto à l'arrière et tout. T'as les sièges, non, ils sont pas massants à l'arrière. Non. Mais en tout cas, belle config, hein. T'as les petits pare-soleil pour les fenêtres arrière. Ouais. Bon, ils sont électriques, après c'est un détail. Hein. Oui. C'est même mieux à manuel parce qu'au cas où ça lâche, tu vois ce que je veux dire. Et t'as le rideau, non, électrique à l'arrière? Ouais, t'as le rideau par contre qui est électrique à l'arrière, pour la lunette arrière. Mais en tout cas, elle est vachement bien. Oui, je veux bien, pour qu'on voit la cargaison là que tu dois me livrer. T'as eu un petit retard en plus. Hein. Regardez, coffre électrique. Regardez qu'est-ce que c'est beau, la roue de secours. Toujours. Obligatoire avec toujours. Toi. C'est la roue de secours? Non. Oui. 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 Elle doit pas être en dessous normalement? Ouais, mais non. Non, elle rentre pas. Non. Regardez les gars, ça a de la place quand même. Hein. Ouais. Un peu plus petit qu'une A8, mais c'est quand même. Il y a de la place. Il y a de la place, il y a de quoi faire. Et je pense que tu peux quand même coucher la banquette toi ou oui. pas. T'as oui. vu? C'est ça qui est cool. Ouais, et moi, ça fait vraiment pas. Une. Parce que là-dessus, on peut pas, c'est scellé. Ah, c'est dommage. Je t'apprends quelque chose. Tu savais pas? Ouais, je savais pas. Tu le sauras si un jour t'achètes cette version, hein, mais voilà, c'est. Je pense pas. Tu penses pas, hein. T'as vu tous mes problèmes. Hein. Donc regardez les gars, c'est magnifique. Bon, bah nickel, hein. Nickel. Moi j'ai hâte qu'on aille faire cet essai routier pour aller voir ce qu'elle a sous le capot. On est parti? Allez, c'est parti. Ça va Anne-Laure? Ça va et toi? Ça va nickel. On a fait une belle présentation les gars. Maintenant, place à l'essai. Tu peux te faire plaisir. Oh, ça tire. Oh, fais gaffe quand même, il y a des virages. Hein. Il faut que je te guide aussi pour la route. Alors les gars, nouveau décor, on est à Miribel hein, pour ceux qui auraient reconnu. Il y a des virages, faut faire gaffe. Là tu peux accélérer sur même pas 100 mètres, après il y a un virage à gauche. Une voie sans issue aussi, accessoirement, je m'en prendrai pas. Non, non, c'est pas une voie sans issue. Là je te dirais, là faut ralentir. Elle pète. Quand elle est bien chaude, ouais. Ouh là là. Ça fait un bruit les gars. En plus on a un tunnel là, on a un petit pont. Ça monte. Oh là là, doucement là, doucement. Tu vas prendre le sens interdit. Je t'autorise à le prendre. D'accord. T'as pas peur? On va aller là-bas. C'est ton chemin. C'est mon chemin, parce que là tu vois sans issue, c'est là-bas. Mais là normalement il y a une espèce de bite. Elle doit être descendue. Fais voir. Oh, il n'y a pas la bite. Attends. Ah par contre il y a une branche. Tu veux que j'enlève pour après? Non, ou ça non. va? Fais gaffe parce que des moments ça détecte, ça peut se lever. Ah, t'es drôle toi. Tu la vois, elle est là. Oui, oui, bah oui. Accélère, par contre, projet, t'arrête, on sait jamais. Oula, 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 oula. C'est très serré. Tu suis la route maintenant. Mais attention, ça serre là.
Vas-y, vas-y, envoie l'eau, envoie tout. Oh putain, ah sa grand-mère. Oh ça marche. Ah ouais, ça faisait longtemps. Oula. Oula. Putain, c'est bon. C'est très bon. Et des jeunes enfants quand même. Des jeunes enfants. On reprend, nous irons à droite. On aura quelques petits dodanes, mais bon, ce n'est pas grave. C'est vraiment une voiture de mafieux quand même. Alors ici, tu as le parc de Miribel-Jonage. Si un jour tu veux venir avec ton chéri profiter de l'océan. Tu connais ça ici ? Du tout. Bah, c'est le grand parc de Lyon. Beaucoup de gens viennent ici pour se baigner, faire des merguez. Là, t'as un dodane. En tout cas, elle fait un joli son. Il est pas casse-tête. Hein. T'as pas de clapet. C'est... Si, si, mais c'est ouvert. Tu les as laissés en mode ouvert. Oui, oui, oui. C'est un peu le même système que moi sur les silencieux, il me semble, c'est ça ? Ouais, c'est au fond. Okay. Je sais pas où est-ce que je les ai mis. Mais je les ai. On est bien dedans. Franchement, c'est agréable. Hein. Ouais. Et ça consomme du coup ou pas trop ? Bah, je vais te dire ça en direct. Parce que t'as le mode 4 cylindres sur l'autoroute. Oui. Qui marche une fois sur deux. Là, j'ai fait 100 bornes aujourd'hui, je suis à 10 litres. Enfin, vous imaginez, les gars. Bon, ça va encore. Elle fait moins de litres que moi et en plus, elle a plus de chevaux. Je comprends plus rien, moi. Oui, il y a un peu de monde pour un temps nuageux, ventileux. Ouais. Les gens t'entendent de loin, par contre. J'ai vu le jeune ici retourner de loin. En général, ça se retourne. C'est vrai que le bruit, il est sympa. Là, nous irons à droite. T'es pas à fond. Non. Ouais, j'étais à mi-pédale, mais on sent que ouais, c'est cool. Fais gaffe, t'as un dodane là. Tu trouves sympa ce parc ? C'est sympa, le ouais. Le grand parc de Miribel-Jonage. Voilà, pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Mais c'est un endroit où tu peux venir, il y a des activités, tu peux faire tes merguez. Là, t'as pas d'interdiction, tu peux faire des merguez quasiment où tu veux. Là, tu viens l'été, c'est blindé là. Cette avenue là, c'est tout blindé. Ça, c'est bien de venir à cette époque du coup. Hein ? C'est ah bah oui, là, pour le tournage, on est bien. Là, t'es à fond ? Non. Même pas ? Il faudrait un peu plus de route, là, pour être à fond. C'est limité à 30, quoi, en théorie. Ça. Voilà, et là, on est à 40. Ah. Voilà, c'est absolument. Ça fait gaffe, le virage. C'est vrai que ça, t'as vu, c'est un peu serré. Hein. Là, mon plan B, pour l'instant, il est bien ou pas ? Ça va, il est pas mal. Il est pas mal. Au rond-point, on va y aller à gauche. Je pense que c'est un peu plus large. Tu voudras faire une axelle. Mais après, au retour, on prendra une autre route. Un truc un peu plus large. Et je peux faire un truc un peu mieux. On prendra de la rocade, je pense. Là, on va aller ici pour qu'après, je puisse descendre de dehors et que tu me fasses des excels de dehors. Ouais. Mais après, on va prendre de l'autoroute pour... Pas de soucis. On arrivera 5 minutes au point de base. Tu vois, tout droit, ça fait un virage à droite. Là, normalement, t'es large. Tu vois la Twingo là ? Ouais. Là, tu peux, là. Vas-y. Ouais, ça mène. Ah, ça monte vite, hein. Et ça freine bien, du coup ? Ça va. Ah, c'est pas mal, hein. Alors là, ce qu'on va faire, ma petite Anne-Laure, c'est que t'as vu cette belle ligne droite ? Mm-hmm. Dans l'autre sens, on va faire demi-tour, là, par là-bas. Tu vas me déposer, je vais me mettre à l'arrière, tu me feras écouter le son à l'arrêt. Et après, ouais, je te ferai signe avec la main, pars comme une balle, tu feras demi-tour au rond-point et tu reviendras comme une balle. Comme ça, j'ai deux plans. Tu vois ce que je veux dire ? L'arrivée et le retour. Et voilà. Je crois que j'ai pas enlevé mon cache-plaque en même temps. Oh, c'est pas grave. Faut que je l'enlève quand C'était même. C'était quoi, Bambi ? Si. Bambi. Eh ben, on est dans... Regardez, on est chez les Bambi, regardez les gars. La forêt. Oh, Bambi ! T'étais fan de Bambi quand t'étais petite ? Non, c'est la voiture qui fait Bambi. En parlant de Disney, alors ne vous foutez pas de moi, les gars. Il y a pas longtemps, j'ai remis le Roi Lion 1, le dessin animé. C'est un beau dessin animé. C'est pas mal. Les couleurs sont très belles. Et après, j'ai voulu le remettre en film parce que le film était très beau à voir. Même si le dessin animé, il est mieux. Ah. Tu l'as vu en film ? Film, non. Mais le dessin animé, c'est la base. C'est la base, ouais. Les couleurs. Franchement, j'ai jamais vu des couleurs aussi belles dans le Roi Lion. C'est waouh. Et ben là, je pense qu'elle va me séquestrer. Je sais pas. Tu m'emmènes où là ? C'est comment ça ? Je vais faire mon demi-tour ici. Ouais, je peux le faire là. Là. Juste... Oh, une A6 C6 en 3 litres TDI Quattro, c'est ça ? C'est peut-être le 2 litres 7. Hein.
Mais normal. Oh, il a mangé la porte. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais juste trouver mes clapets. Elle a perdu la clé. Descends pas de la voiture, je pars avec. Hein. Là, il y a une télécommande. Ben voilà. Ah ouais. Ils sont ouverts, là, de toute façon. Je crois. Non, là, tu les fermes. Ah bah oui. Non, parce que moi, j'ai des clapets directs d'origine, ils s'ouvrent à la dépression et je les ai laissés ouverts avec un collier. C'est tout un système. Mais vu que toi, t'as changé la ligne, ils ont dû te... Ouais. Oh, j'ai envie d'éternuer, là. Je crois que j'ai l'allergie au pollen. Oh, ça revient, l'allergie. Aïe, aïe, aïe. Là, ça chante. Hein. Ah oui, c'est un 3 litres. Oh, merci beaucoup. Et là, ça revient, là. Déjà, tout à l'heure... J'ai la gorge qui gratte. T'es allergique au pollen? Non. Ah, mais il y a le printemps qui arrive au mois de mars. Il y a 3 litres TDI. Ça, c'est de la bonne ça caisse. Ça marche très ça bien. Ça marche bien, c'est un bon moteur. Hein. Tu sais que ça fout le tube, c'est le meilleur bruit au monde de diesel. Hein. Tu te souviens de la 4 bleue? Oui. Tu l'avais vue, ouais, celle-là? Je l'avais vue. En plus, la dernière fois, je l'ai remis en story. J'ai dit, ah les gars, c'est le meilleur bruit au monde. Non? Non. Langue? Non, pas ok. Ouais, tu vas me jeter après la C4. Non, les gars, elle est passée comme une mafieuse. Vous comprenez pourquoi je veux ce modèle, ce moteur dans la S8? Et encore, la S6, franchement, elle a autant de gueule que la S8. Hein. La S8, elle est un peu plus fine, je trouve, au niveau de l'avant, du cul à l'arrière, mais ça se ressemble. Mais franchement, ça a de la gueule. Puis elle envoie quand même. Hein. Franchement, belle, belle caisse. J'aurais emmerdé les piafs avec mon son. Mais c'est pas grave. Oui, c'est ok. On gauche tout. On va à gauche. Alors, les gars. C'est du lourd, hein. Le son du V8, 4 litres, c'est énorme. Alors, Anne-Laure, on prend le virage, on prend l'épingle. Oula, oula, oula. Il est beau le son, hein. Tu t'en lasses pas? Ah, jamais. Ton moteur préféré, du coup, c'était un V8? Oui. Tu sais que moi aussi, hein, pourtant j'ai un V10, parce que c'était pas encore dans mes moyens la S8 D4, mais mon vrai but, c'est la S8 D4. Et là, je disais que je trouvais que la S6, elle a plus de gueule, entre guillemets, que la S8, elle est plus gonflée. Bah, elle est plus mastoc voilà. Que la S8, en fait. Je trouve pas... La S6, tu veux dire. La S6, je la trouve plus gonflée que la S8. Bah, la S8, elle fait un peu plus large. Si voilà, je veux. Elle est plus affinée. Ouais. La S6, ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment faire du tuning, tu vois, la gonflée. Tu vois l'autoroute, là? On va la prendre. Alors, c'est 90 et pas 190. Non, alors il faut la jamais, remplir. Toujours à la limitation de vitesse. Alors c'est 190 et pas 90 chez moi. Oui, la référence à taxi. Quoi. Voilà. T'étais pas à 90, t'étais à 190. 190. Un petit 90. Mais déjà 90, c'est hors la loi, c'est 50. Et ouais, il est bien content, on a bien fait son boulot. Non, mais on va faire gaffe quand même. T'as aucun radar fixe, mais tu peux avoir des mobiles, mais je les ai rarement vus ici. Là, je vois la conduite, là. Là, je vois l'exploit. Oh, ça va, hein. C'est bon, j'ai ma dose. Hein. 111, c'est très bien. Ça marche, hein. On sent la poussée. Hein. Elle est saine, la voiture. Elle est très, très saine. Putain, merde, ça filmait pas. Cette blague, le nombre de fois où j'ai dû la faire. Et nous, Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il vient sur ma voie, j'aime pas. Oh, il m'a fait peur. Le radar, il est pas pour nous, parce que nous, on va aller à Lyon, à droite, là. Donc, tu pourras te rabattre devant la Clio, je dirais. Ouais. Ouais, devant la Clio, ouais, ça passe. Ouais. 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 Oh, oui. Ouais, bah toi, hein. J'ai dit la Clio, j'ai pas dit la Lopdi, là, je sais pas ce que c'est, la Lopdi. Et après, ça fait 2 voies. Mais fais gaffe quand même. Le radar, il est là-bas. Ouais. Pour ceux qui vont en direction Paris. Et après, t'as 2 voies, si tu veux.
Alors je trouve que t'as une conduite quand même assez dynamique, mais t'es prudente. Et avant celle-ci, là, il y a 2 ans que tu l'as, t'avais quoi avant? J'ai toujours, c'est mon A1. Ouais. Et avant ça, j'avais une Fantista 4. C'est ta première voiture? Première voiture, ouais. D'accord. Ça, c'est ma troisième. Elle marche, hein. Ouais, tête de ma mère, ça pousse. On fait un petit échange? Non. T'aimes pas le V10? Trop aigu? Non, V10, ouais, c'est ça. Atmo? Ouais. Tu veux le turbo? Il me faut le bichon. Ouais. Ça, c'est quelque chose. C'est autre chose, ouais. Pourtant, j'ai eu essayé de l'Atmo, j'ai eu essayé. Après, je te jure, depuis que j'ai le V10, le bruit, je le trouve très beau. Même si le bruit est beau, je dis pas, mais c'est à la conduite, en fait. Mais c'est... je préfère quand même, on va sortir là. On sort au quartier, Franju. Regarde. On est où, là? Tu connaissais pas ces coins, là? Non, c'est pas bien mes quartiers, Boys. Mais c'est bien, quand même. Oui, c'est bien, bien sûr. Au rond-point, des fois, il y a souvent les collègues avec les cagoules, hein, je te le dis. Hein. Ça, d'ailleurs, ça fait longtemps que je les ai pas vus. Souvent de nuit, ils t'attendent là avec des cagoules plein de voitures et tout, je te jure. C'est pour ça qu'on a tout coupé. On a tout... Non, mais je rigole, arrête d'avoir peur. Ouvre-moi les clapets. C'est B. Ah. Ah. Voilà, elle a eu peur. Mais t'inquiète pas. Et au rond-point, on ira. J'arrive en ville en général. Si tu veux, je t'emmène vraiment dans les grosses cités. Hein. Non, on a du taureau là-bas. Non, c'est bon. Allez, on va aller à gauche. Tu vois là où il y a la tour rose, c'est le Maggiore Taureau. Non, on va là-bas. Ah, c'est marqué en plus. Ça, c'est vraiment les grosses cités de Vaux en Velin. Petite Abarth. Les grosses cités de Lyon, voilà. T'as ici, après t'as Vénissieux, t'as plein de villes, Bron, Saint-Priest. Je suis bien en campagne. avec les bambis, avec les brebis. C'est ça. Brebis, non, bambis, ouais. C'est bien. Mais c'est très bien. Ici, personne s'arrête, comme tu peux voir, regarde. Il y a le gris tous dans l'autre sens. Tu respectes? Putain, c'est des malades ici. Je te jure. Ah, dédicace au 6-9. Ouais. Ah, faut faire attention. Je tiens mon permis, j'ai mes 12 points. C'est bien, très bien. Regarde. Il fait du 3. C'est des malades dans ton pays. Non, c'est pas mon pays, là. C'est une ville. Et une seule ville, il y en a beaucoup des villes. Ah, les grosses cités sont là-bas. Nous on est juste derrière celle-là. T'es venu de là tout à l'heure, hein? Ouais. Pas tout droit. Après t'aurais pu passer là, mais là tu vas passer par les cités. Putain, je t'ai ramené quand même dans les cités qui fait partie des plus chaudes de Lyon. Hein. Mmh. On va mettre ça en cheat. J'ai ramené Bambi à vous. Le titre le plus accrocheur du monde. Ah ouais. Hey, je ramène la meuf dans le quartier le plus chaud de Lyon quasiment. Ah, t'inquiète pas, je connais du monde ici. J'ai grandi là. Ah, tu veux tourner avant du coup? Tu veux rentrer en cité? Vas-y, ah fais oui, ton plaisir. Pardon, c'est vrai. Ah, tu peux passer, hein. On a la grappinière. Dédicace à ceux qui sont de la grappe. S'ils voyaient la vidéo. Oh putain, c'était une excellente vidéo, malgré qu'on a eu un peu de vent, mais ça va, il a été, j'espère qu'il... Oh, t'imagines au montage, c'est tout saturé, c'est mort. Je te bloque sur Instagram, je t'oublie, l'enfoiré. Oh merde, elle a l'adresse, ça va revenir. Non, t'inquiète pas, ça devrait le faire. Mais ça m'est déjà arrivé, hein. Je suis vraiment désolé à ceux voilà, avec qui on avait tourné. Sauf que ça m'a servi de leçon, c'est pour ça que j'ai investi dans un micro. T'as vu mon pompon depuis tout à l'heure? Oui. T'avais envie de rire quand t'avais vu le pompon? Non, non, mais je connais. Tu connais, bon ça va, il y en a qui connaissaient pas. Tu vois, tu t'es encore trompé, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Je te laisse. Non, on était parallèle tout à l'heure. Non, c'est tout. Fais gaffe là par contre, priorité. Hein. Non, tu vas aller tout droit là. Nous on était derrière tout à l'heure, t'as peine? Ouais. On est sorti de l'autre côté. Tu vois ici la DRS Grillage, c'était une maternelle, ils l'ont détruit. Ça me fait chier, parce que c'est des souvenirs. Et on va là à droite. T'étais à l'école ici? J'étais à l'école primaire derrière moi, mais pas cette maternelle. Tu nous as mis l'option vague. C'est la classe, hein. Ça rend bien aussi alors dans le garage, hein, comme on disait. Regardez les gars, on a même sorti la A8.
La belle habite, elle est là. T'as vraiment une voiture de mafieux, hein? Ce qui paraît. T'es une racaille, hein? Racaille du bac à sable. Là, on t'a, comme on dit, on t'a baptisé ici avant. T'es venu faire le tournage à vous, t'es une vraie racaille. Je suis venu, je repars. Ouais, t'es venu, tu repars, mais peut-être à pied, hein. Fais gaffe, hein. Y a des voleurs ici, hein. Tu m'appelles si t'as un problème. Non, mais elle est énervée, les gardiens, on vous fait un plan aussi dans le sombre. Alors, comme on disait, c'est pas un noir-noir. C'est un bleu qui se mélange au noir. Bah, on le voit là un peu. Ouais, ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Il manque plus qu'on sort les trois, les deux A8, S8, S6. Et on se met sur l'autoroute à 3. Bon, bah sinon, Anne-Laure, je te remercie d'être venue. Avec plaisir. T'étais très très gentille. J'espère que je t'ai mis le plus à l'aise possible. Ouais, ça va. Bon, bah ça me fait plaisir. Ouais. On devait annuler le tournage ou le reporter ou ci ou ça parce qu'il y avait le mauvais temps, le vent, la pluie. La pluie, on l'a pas eu, ça va. Et en espérant bah, que ça vous a plu. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de partager, de laisser un commentaire. Et si vous voulez donner la force à Bambi qui est là, donc c'était Bambi qui est réveillé. Et 6, c'est 7. Ouais. N'hésitez pas, elle est super gentille. Et si un potentiel acheteur, mais tu ne souhaites pas la vendre tout de suite. Non. Parce que c'est vraiment un coup de cœur, les gars. Il y en a même pas deux en France comme ça. Avec cette config là, non, elle est unique en France. Il y en aura peut-être des S6, C7 en berline, bien sûr, il y en a d'autres. Il y en aura peut-être moins que des origines avec des pare-chocs RS6, même ça je pense que c'est rare, ou quelqu'un qui devait vraiment le faire, mais avec la config blanc, le carbone et tout, ça c'est beau. Bah les gars, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, Anne-Laure, bon retour. Merci. Et les gars, à très vite pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, ciao.